Il pète un câble. Du monde qui reste pas à sa mère. Bonjour. Du monde qui reste pas à sa mère. Ça, ouais, ouais. Sa mère, elle m'a dit, ouais, c'est toi qui te défonce les câbles. Elle me dit, ouais, de toute façon, je vais chercher Clèche, je vais te le lâcher dessus. Ouais, et alors. Après, tu lui as dit quoi? Après, j'ai dit. Non, j'avoue, c'est sur ce coup-là que j'ai juste un petit peu déconné. J'ai fait, ouais, madame, si Clèche est mort, moi, je porte plainte. Ah, n'importe quoi, toi. Là, oui, sur ce coup-là. Là, tu fermes ta gueule quand on était comme ça, tu parles pas. Non, mais après. Non, mais elle a pas entendu. Très bien, celle-là. Non, il n'y a pas d'importe. Elle a pas entendu ça. Non, elle n'a pas, pas entendu, c'est très parce bien. Elle a pas entendu ça. Il n'y a pas entendu, tu parles pas comme ça, c'est très bien, c'est la mère à carré, tout ça, il n'y a pas de. Tu parles pas comme ça, c'est tout. Là, vous n'avez pas intérêt à déconner de toute façon quand on va partir au ski. Oh. Bon, ça, bah ouais. Bah oui. On part avec des bons gens qui sont pas relous. Des bons gens. Des bonnes personnes, on peut dire. Qui sont pas relous. De toute façon, même, je sais pas, Stéphane, c'est fort, toi, c'est fort, et Julien, c'est fort. C'est des bons animateurs, c'est pas des animateurs. Moi, je suis pas animateur, moi. J'ai bénévole. Tu travailles à la mairie. Tu as un petit travail stable. Fonctionnaire, je crois, ça. Ouais. T'es fonctionnaire, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, j'ai pas. Ah non, là, y'a plus rien. 21. Non, c'est. Ah non, non, c'est bon. 9, 10, 11, 12. Ça va? Oui, ça va, et toi bien? Ça va? Oui. Ah oui. Ah, excuse-moi. C'est 4, j'ai oublié. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Ça va bien? Oui. Ouais, je suis encore là, je suis partout. Je suis un électron libre, donc je me balade partout. Jeudi, c'est nous qui ramenons les tapis que le service des sports. À moins que le service des sports passe les chercher, comme ils nous ont amené ce matin. Je pense pas qu'ils viendront chercher. Mais moi, sur la note, j'avais mis qu'on allait les chercher et qu'on les ramenait. Hein. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Des vacances, on peut en prendre pour l'année prochaine déjà ou... Moi, ce que je veux, c'est vos plannings, ton histoire de vacances. Je les veux, là. Ah bah bon, c'est qu'on puisse planifier ça. Ouais, non, c'est pas assez simple. Ouais, c'est pas assez simple. Tu me le donnes par écrit. Ouais, t'inquiète. Parce qu'avec toi, c'est simple et je te vais te le dire et je vais te le faire. J'ai jamais rien. Du samedi 23 au mardi 5. Tes feuilles d'arrêt maladie, c'est réglé? Non, ce qu'il faut que je les refasse, c'est pour les dates. Tu sais plus les moments où t'étais malade? Je sais plus. Non, mais tu te fous d'ailleurs du monde. C'est pas possible. Ça date depuis le mois de septembre. T'as été payé? T'as été payé pour ce travail et t'étais pas là. T'as pas posé de jour de congé. Hein? Donc c'est pas normal tout ça. De quoi c'est pas normal? Ah, parce que tu crois que la paye elle change quand on est malade ou pas? Bien évidemment, oui, non, juste deux jours. Mais dis pas n'importe quoi, quand t'es titulaire, t'as le droit à 90 jours à payer 100%. Oui. Non, t'es me dire n'importe quoi. Que... Même si je m'arrête 3 mois, j'ai ma paye. Est-ce que tu mois. Peux éviter d'élever la voix? Mais non, tu dis comme si c'était. Je te dis pas contractuel, je suis titulaire. Et ça n'a rien à voir. Non, mais dis pas, je suis en train de carotter le système. Moi, j'ai sauf dans la maladie, j'étais payé alors que j'étais pas là. Ça n'a rien à voir. Là, ok, je suis d'accord. Sauf que t'es 90 jours, peut-être que tu vas bientôt les avoir et que. Et que et qu'on n'en sait rien pour le moment, puisque je te dis, il y a eu, depuis le mois de septembre, il y a eu 4 arrêts maladie. Il y a eu 4 arrêts maladie. C'est 90 jours par an. On n'est pas à 90 jours, hein. c'est pas ça ce que je veux dire. C'est abusé. Moi, c'est pas. Attends, c'est pas moi qui délire. Au mois de mai, au mois de juin, t'as bien été arrêté 15 jours par-ci et 8 jours par-là. 15 jours par-là. Ah, bah, attends, t'étais malade, t'avais toujours un truc, t'allais toujours à l'hosto, t'avais une maladie, c'était énorme. Bon, après, il y a toujours un truc. Donc, je te demande au mois de septembre, tu me dis c'est bon, c'est réglé, je vais voir, c'est pas fait. Après, tu me dis c'est à cause de mon frère qui les a pas donnés. Après, je sais pas, on a volé la voiture de ton frère, on a volé les papiers. C'est n'importe quoi. T'as volé. T'as perdu les papiers. C'est non, pas on a vendu la voiture à mon frère. C'est voilà, et t'as vendu les papiers avec. J'espère que tu te les as fait acheter bien cher, les papiers des arrêts maladie. T'abuses? Mais non, j'abuse pas. Non, je dis que tu me prends pour un imbécile. Non, Bernard, c'est bon. Je dis que tu me prends pour un imbécile. Ça m'énerve. Je me mets en colère. Non, je vais pas m'arrêter. Ok, vas-y, on arrête. Je vais pas m'arrêter. Vas-y, on arrête. Non, je m'arrête pas. Pas comme ça, on arrête. Je m'arrête pas, Morin. C'est systématique. Ok. Oui, d'accord. Parle-moi plus, ma tête est malade. Moi, jamais je vais le nerver avec toi, mais on verra bien le jour où ça va venir.
Mourad. Ah, mais on verra bien. D'accord. Ok, ok. Tu veux jouer le nerveux, vas-y, fais des menaces. Non, mais je pense que t'es en train de faire là. T'es en train de faire ton cinéma. Des menaces, Mourad. Ouais, je vais mort, je vais partir en sucette. Ah, okay. Voilà, exactement, t'as tout compris. Ouais, je vais partir en couille. À la base, là, il s'est passé. Ça va. Ça va, les gars. Pour le ski, en fait. On va faire un règlement. Enfin, un règlement, vous avez tous signé ça avec vos parents. Ah ouais. Et pour les règles, normal, faut respecter les règles. On est d'accord ou pas? En fait, nécessaire, faut que vous fassiez la part des choses. Votre moitié. Donc, si ça se passe bien, ça sera nouvelle. Ça se passe pas, on annule tout. Ça va bien se passer, quoi. Ça va se passer, ouais. Bah, si tu vas passer avec Brossette, on va en rigoler à chaque fois. Non, mais... C'est quoi les règles, là? Il n'y a pas de... Pas de sortie, pas de quartier libre. Pas de s'aventurer tout seul sur les pistes. Bonsoir. Rester correct. Pas de bordel. Pas d'arrachage, de vol. Celui qui respecte pas, boum, je le prends le matin, je le ramène le soir, j'arrive le soir et je repars. Je fais un aller-retour dans la journée. Moi, je m'en fous de perdre une journée de ski. Par contre, moi, au ski, je peux y aller tout seul. Maintenant, vous avez intérêt à réfléchir. C'est donnant-donnant. Voilà, c'est donnant-donnant. Déjà, regarde, ça s'est bien passé. Vous êtes tenu à carreau, vous avez compris que voilà, il fallait rester tranquille, tout ça, vous n'êtes pas pris la tête. Maintenant, voilà. C'est pas un dû, ils vous doivent rien, la mairie. On a parlé de ça. Ils vous doivent rien. Ouais, je rigole. Si, j'ai envie. Ils partent avec des nanas, ils partent en vacances. T'es fou, quoi, ils partent avec des nanas. T'as cru que c'était la fête ou quoi, toi? Non, mais attends, t'es pas bien, quoi. Tu sais comment faire. Tu as un meurtre dans l'auberge ou quoi? Non, mais... C'est ma soeur, c'est la soeur de mes potes, hein. T'as cru que c'était la fête? Ouais, non, normal. Mais bon, tu fais ton mariole, tu vois. T'as avec des copines, t'es avec tes potes, tu fais ton... Mais je vais pas passer par un intégriste, mais voilà. Les règles, elles sont bien posées. Et donc tu vas les encadrer, mais ce qui est marrant, c'est qu'au niveau de l'autorité, toi, tu la supportes pas, mais il y a par exemple dans ta vie professionnelle, t'es obligé de faire des compromis. Si tu ouvres trop ta gueule. Il y a du boulot, il y en a partout. Ouais, mais c'est bête de perdre un taf. C'est pas grave. Celui qui veut taffer, qui veut gagner de l'argent, il en gagnera et il trouvera du travail. Basta, c'est tout. Ça arrête là. Il n'y a pas de je vais me laisser faire parce qu'il me faut ce boulot. Ça va pas, je m'arrête, basta, et je m'en vais trouver un autre. C'est tout. C'est comme ça, ouais. C'est comme ça que ça se passe. Il y a de l'argent, elle est pendue au-dessus de nos têtes. Il faut juste savoir comment le cueillir. On n'arrive pas, mais mon petit frère, mes petites sœurs, tous comme ça. Vous êtes tous le même tempérament. Tous pareil, tous la même chose. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, c'est comme ça. Ah ouais, non, moi, dans mes enfants, voilà, faut qu'ils soient durs. Ok, ça se peut marcher dessus. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Bien, en tout cas, merci à tous. Et merci à tous ceux qui vont poursuivre la construction de ce grand édifice qu'est la ville de Viry-Châtillon. Madame Guiton, ça va? Vous allez bien? Très bien. Oui, ça va. Longtemps que je vous ai pas vu. Ah, oui. Ça va? Oui, ça va. Monsieur le maire, bonsoir. Ça va, ça va bien. À bientôt. C'est bon. Bon, je vais au revoir à Marielle. Marielle, je vais te dire au revoir. C'est mon fils adoptif. Oh, quand même. Ah, oui. Allez. À bientôt. Et puis, on se revient. Oui, bien sûr, je suis là. Et puis, tu viens où veut? Oui, bah oui. J'ai pas prévu. Cette année, c'est pas du sanglier. Hein. Ah, ouais, bon, ça va alors. C'est bon, on pourra manger alors. Bon, allez. À bientôt. Alors, Mourad, c'est qui? Alors, Mourad, c'est un garçon que le directeur du centre de loisirs avait recruté en qualité d'animateur. Donc, quand Marielle a appris qu'il avait été recruté comme animateur, elle a voulu qu'il sorte de ces fonctions-là parce que c'était pas un très bon exemple pour les enfants. Par contre, elle a regardé son CV et elle a vu qu'il avait un brevet d'électrotechnicien. Enfin, voilà. Donc, on lui a proposé un poste à l'Envolt et puis finalement, il s'y est tellement fait qu'il s'est pris un peu pour le big boss. Il y a eu une période de tension très vive et bon, on s'est expliqué. Bonjour Claude. Et les choses se sont arrangées, se sont calmées. Il a dit dans son travail, il fait bien son travail. Quand il est là, il est là. Mais c'est vrai qu'il est attachant. Boss.
Et il faut le pousser quand même. Il faut le pousser parce qu'on ne sait jamais bien où il est. Il y a toujours des interférences avec les copains ou la famille, etc. Il a fallu, nous, que pendant, quelques fois pendant un spectacle, qu'on dise à son frère, tu n'as rien à faire là, il bosse, tu lui fous la paix. Enfin, la différence entre le travail et la famille, ce n'est pas toujours évident. Non, mais bon, c'est un peu culturel aussi, ouais, ça, je dirais. Hein. Bon. Mais sinon, il a un bon fond. Hein. Il y a un point sur lequel il va t'interroger, c'est sûr. Avec Marielle, il avait été décidé qu'il encadrerait un séjour en février de jeunes du quartier où il a grandi. Et... Comme animateur ? Comme animateur, accompagnateur. Et ce séjour, il l'a monté avec les jeunes, le séjour est prêt là. Et il a eu un conflit, un accrochage avec Bernard hier, parce que Bernard lui a dit que ça ne faisait pas partie de son travail, donc il n'était pas opposé à ce qu'il encadre ce séjour, mais à condition que ce soit sur ses congés ou sur des récupérations. Effectivement, on ne peut pas être à la fois au service culturel et à la fois à faire autre chose, et puis grosso modo, c'est moi qui décide de mon emploi du temps, c'est moi qui fais ce que je veux de mon temps. Non, mais c'est sûr qu'il faut mettre le holà très très vite, en fait. Hein. Pas de faire ta feuille de congé, hein. Non, il n'y a pas de congé, là. Ah, si. Oh, ok, on en reparlera plus tard. Bon, écoute, moi, je maintiens qu'il te faut une feuille de congé. D'accord. Je poserai les feuilles de congé, il n'y a pas de problème. On rediscutera de ça. Tu seras contente. Hein, il n'y a pas de problème. Non, attends, Mourad, c'est pas pour faire plaisir à Claude. Non, mais c'est pas une question de ça. Ok, d'accord. Non, mais c'est pas une question de ça. Non, c'est pas... Tu dis, elle sera contente, mais... Non, mais c'est pas une question de ça. Ok, je poserai ma feuille, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord, François, voilà. Je poserai ma feuille, il y a des règles, il n'y a pas de problème, d'accord. Voilà. Oui, t'as pas été énervé. Hein. Je m'énerve pas. Où est-ce que tu as vu que t'es énervé ? Je me serais énervé, je t'aurais insulté. Ah bah t'as pas m'insulté. Donc je suis pas énervé, je suis calme. Ah bon ? Voilà, et là je suis très calme. D'accord. Aucun problème, il est où le truc ? Eh, tu le caches bien. Ouais, voilà, je le cache bien, qu'est-ce qui se passe ? Je suis pas énervé. D'accord, Non, le problème est réglé. Non mais ouais, ok, problème est réglé. Ça va ? Et toi ? Non, ça va pas. Non, ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive ? Hein ? C'est ce matin, non ? Non, tout à l'heure encore. Là. C'est Claude. Ouais. Ça me rend ouf. Tout à l'heure, elle m'a parlé comme si c'était ma chef depuis 15 ans, alors qu'elle est rien pour moi. Tu comprends ce que je veux dire ? Moi, pour moi, c'est pas un profit de partir aussi comme ça une semaine. Non, c'est encadrer des jeunes. Je pars tout seul si j'ai envie de partir. Je pars avec des potes à moi, on part. Tu vois, Jérôme, on est déjà parti. Tu vois, on part. J'ai besoin de personne pour partir. C'est je pars tout seul. C'est un truc qui est mis en place depuis un an, tout un travail. Ça, tu vois, alors, faut peut-être le clarifier. Et maintenant, assez on sort vite, les congés. Il n'y a pas de problème. Je pars pas. Il n'y a aucun problème. Ça m'étonnerait, il y a un engagement vis-à-vis des jeunes. Non, mais je peux pas. Ah non, même pas. Je le ferai parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ces jeunes et que voilà. Et que... Mais non, je sais pas. Parce que là, ma fierté, ma fierté, elle est trop. Elle tire trop sur la fierté, c'est pas bon. On veut me faire rentrer dans un moule. Et la fonction publique, tiens, un moule, mais on peut pas me faire rentrer dans un moule, je peux pas. Tu me connais, tu sais comment je suis. Je peux pas rentrer dans ce moule, c'est pas possible. On veut faire de moi ce qu'on a envie, alors que non, je peux pas, j'arriverai jamais de ma vie. C'est le mec qui vient d'une cité et d'un quartier type, qui est costaud, qui a une personnalité, qui a un caractère, qui peut péter un boulon, qui dit ce qu'il a envie de dire quand il a envie de dire. Donc c'est le mec qui fait peur, c'est le mec de la zone. Donc ça, c'est l'image que malheureusement 80% des gens ont de jeunes comme toi. Donc, bon, pour ma part, franchement, je pense pas être comme ça, mais bon, je vois plutôt ça comme une réussite. T'es 4 ans et demi que je suis là, je suis titulaire. Si toi t'es bien dans tes baskets, c'est le principal. Ouais. Si toi t'es bien dans tes baskets, c'est le justement, principal. Justement, c'est eux qui sont pas bien. Reste... C'est eux qui sont pas bien, je suis très très bien. Pour bien se gaver. Plus qu'on raconte des salades, plus qu'on diffuse des navets, et plus qu'on gagne des patates.